regarde dans la classe. Qu'est-ce que je fais exactement dans les livres? Les illustrations. Là, on peut accoter, on peut la couler. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait remettre dans l'ordre et faire les chiffres. Et en fait, j'ai écrit ce livre-là parce que mes enfants, ils sont très très grands maintenant. Marron, papier craft. Et puis j'ai mis du crayon. Mais non, mais tout le monde l'a pas fait. Attends. La feuille, regarde, est-ce que tu me vois? Tu plies là, vas-y. La grenouille, elle m'a râlé, la grenouille. En faisant un triangle, on fait un triangle, un trait plein et un trait pointillé. Alors, Roman, arrête. Dis-le encore une fois, ça fait. Et vous allez découper le trait plein et vous avez les yeux. Ah, faut pousser. Donc je vais vous aider. Ah, tes paupières sont lourdes. Bah, si tu pousses avec ton doigt. Je t'ai mangé ta grenouille. Je suis à l'école. C'est du vert ou c'est du bleu? Comme ça, on va. Voilà. Et vous pliez sur les deux épaisseurs comme ceci. Faites un pli. D'accord, je vous ai apporté justement l'original. L'original qui existe en un seul exemplaire et le livre il existe en de nombreux exemplaires. Christine Destour est une magicienne. À la fin, elle va se rendre compte qu'elle a donné tous les cadeaux. J'ai fait plein de petits personnages comme ça. Qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire le bonhomme? Est-ce que tout le monde a son morceau de papier? Et le fait que ça soit dans la carte routière, ça exprimera de toute façon le voyage. Je vais le coller. Moi, je vais le faire avec. Et on va découvrir les premières espiègleries de la marionnette. Pinocchio, rends-moi tout de suite ma perruque. Mais au lieu de la lui rendre, Pinocchio l'a mise sur sa tête. La perruque lui mangeait la moitié du visage. Pinocchio lui demande de lui refaire des nouveaux pieds et promet d'être sage, d'être un bon petit garçon et même d'aller à l'école en échange de ce service. Arlequin et Polichinelle se querellaient et s'apprêtaient, comme d'habitude, à en venir aux gifles et aux coups de bâton. Bah, Pinocchio, lui, il a vraiment la trouille. Il est foutu. En revenant dans une vingtaine de minutes, tu trouveras un jeune arbre qui aura déjà poussé et dont les branches seront chargées de pièces d'or. Là, il est foutu, Pinocchio. S'il est qu'il ressemblait à un monstre marin. Jubilé. C'est merveilleux. Attends, non, mais j'attends.